On va voir le dernier hadith qui est assez court et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار رواه مسلم من لقي بمعنى من مات من مات وقوله شيئا أي أي شريك قليلا كان أو كثيرا قليلا كان أو كثيرا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه relate que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Rapporté par l'imam muslim. Quiconque rencontre Allah, c'est-à-dire quiconque meurt. Quiconque meurt. Car quand on meurt, c'est le moment où on va vers la rencontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quiconque meurt. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du fait que quiconque meurt sans avoir associé à Allah dans sa seigneurie, ni dans sa divinité, ni dans ses noms et ses attributs, entrera au paradis. Et que quiconque meurt en lui ayant donné un associé, quoi que ce soit ou qui que ce soit, aussi petit qu'il soit ou grand, sa destination sera l'enfer. On a vu dans ces quatre hadiths que l'on a vus ensemble aujourd'hui les mérites, certains mérites du monothéisme et certains mérites de la parole La ilaha illallah, certains mérites du tawhid. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner, j'ai fait une conférence, les mérites du tawhid, qui est plus détaillée que cela. Ou bien dans l'explication de Kitab al-Tawhid que vous retrouvez sur notre chaîne, Inch'Allah, dourussunnah.com. On voit aussi le danger de l'associatrie, du polythéisme, le shirk. Le shirk billahi zulmun azim. Donner un associé à Allah est une grande injustice. Car c'est une transgression envers le droit d'Allah spécifique à lui, qui est le tawhid. Le tawhid est la plus juste des justices. Et le polythéisme, l'associatrie, est la plus grande des injustices. Et la plus mauvaise et la plus sale des choses. Car c'est un moyen de rabaisser Allah, le Seigneur des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est une façon de s'enorgueillir vis-à-vis d'Allah et de ses ordres, de son obéissance. Et de détourner ce qui est le droit d'Allah spécifique à lui. Allah Ta'ala a dit « Inna shirka la zulmun azim » dans Surat Luqman. Certes, l'associatrie est une injustice énorme. Allah Ta'ala peut pardonner tous les péchés. Celui qui meurt parmi les croyants avec des grands péchés, sans donner d'associé à Allah, il est tahta al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne par sa miséricorde. Et s'il veut, il le châtie par sa justice. Mais celui qui meurt avec le péché du shirk, le polythéisme, l'associatrie, Allah ne lui pardonnera pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Certes, celui qui donne un associé à Allah
a certes accompli un très grand péché dans le sens de sa parole. Sourate An-Nisa. Donc, le polythéisme, l'associatrie est une énorme injustice. L'associatrie et le polythéisme n'est pas pardonné pour celui qui s'en est pas repenti dans cette terre. Bien sûr, celui qui s'en repent avant de mourir, Allah lui pardonne. Mais on parle de celui qui meurt sans s'être repenti du polythéisme ou de l'associatrie. Troisièmement, le polythéisme et l'associatrie majeure, est une cause d'annuler tous les actes et d'avoir la perdition éternelle. Allah Ta'ala a dit « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Dans sourate Az-Zumar, Allah Ta'ala dit dans le sens « Il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnais quelconque associé à Allah, tes œuvres seraient vaines, seraient annulées, seraient caduques, et tu serais parmi les perdants. » Dans le hadith, Abu Bakr radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés ?» Trois fois. « Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés ?»« Voulez-vous que je vous dise quels sont les plus grands des péchés ?» Ils ont dit « Bien sûr que oui, au messager d'Allah. » Il a dit « Le fait de donner un associé à Allah. » Et la rupture des liens de parenté. Puis, il était adossé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Il a dit la parole mensongère, le faux témoignage, la parole mensongère. Alors les sahaba ont dit laytahu sakat, si seulement il s'était tu. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Parmi les dangers et les méfaits du polythéisme et de l'associatrie, c'est que celui qui commet cette turpitude s'est égaré d'un égarement lointain. Allah Ta'ala dit « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » Celui qui donne un associé à Allah s'est égaré d'un égarement lointain. Et celui, parmi les méfaits et les dangers du polythéisme et de l'associatrie, est que celui qui se rend coupable de ce crime, le paradis lui est interdit, à jamais. Et sa demeure est l'enfer pour l'éternité. Allah tabarak wa ta'ala a dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure est le feu. Et les injustes n'auront aucun secours.